Le pur bonheur. Je pensais jamais de revenir en top 14, surtout à Castres. Comme on dit, c'est un peu un rêve. C'est élevé le matin, après les entraînements, les matchs, c'est compliqué. Mais je sais pas, comme je savais que c'était la dernière, c'est comme si je partais à la pêche. C'est toujours avec le sourire et l'envie de travailler, quoi. Et voilà, c'est les gars que l'équipe, ces mecs, les jeunes, les plus anciens, le staff et tout ça, c'est ce qui m'a aidé à terminer ces derniers mois, hein. Comme un jeune de 20 ans, je pense. Je peux dire, c'est le club, les régions, le ville, c'est comme ma deuxième maison, c'est de chez moi. Même si j'avais passé par pas mal de clubs. La Tarn, je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais je n'ai pas envie de repartir. D'abord, je suis content qu'il revienne en forme. Et je savais, hein, j'étais préparé et je suis aussi content de basculer sur les nouveaux challenges qui m'attendent, quoi. Donc, non, il y a une préparation, non, mais je savais, le jeu arrivera. Et déjà, c'est arrivé à Carcassonne, la retraite, et ça y est, c'est le deuxième. Et je crois que c'est le bon. Prendre un glacier, remplir des bières et va à la pêche. Non, mais je vais basculer avec les jeunes. Là, je suis en train de passer la DEJEPS, formation d'entraîneur. Et j'espère transmettre tout mon savoir et apprendre aussi, parce que c'est pas évident d'être un entraîneur, aux jeunes. Et j'espère, c'est un projet qui va se mettre en place avec le club, de former les bons jeunes 100% tarnés, quoi. Ça fait 20 ans que je le vois en train de jouer et mon seul moment, quand je le vois sur le terrain, en fait, parfois je ne regarde même pas les autres joueurs, je le regarde lui tout seul. Et quand il est par terre, je dis, allez, lève-toi. Quand il est début, ok, ça va. Après, je bois une bière et je continue à papoter. c'est le premier en arrivée et c'est toujours le dernier à sortir. Ça fait 20 ans d'attente sous la pluie, sous le soleil, sous la chaleur, sous les vents glaciers, sur tous les intempéries. Il s'éteint la lumière des stades et je suis toujours là en train d'attendre mon partenaire, bien sûr. Hein, c'est mon partenaire à vie, donc c'est normal que je l'attende. Mais ces derniers 6 mois, comme normalement, officiellement, on l'avait fait à Carcassonne, sa retraite. Bon, il a voulu faire encore, bon, ok, ça va, 6 mois. Mais maintenant, ça y est, ça ferait les 2 derniers matchs qu'il a fait. Je suis désolée, je ne t'ai pas attendu. Je suis allée direct au chapiteau. la patronne a dit non, je n'ai assez. Maintenant, il faut prendre des bons temps. Chance.